L'IA UXAVFL a été créée en 2007 afin de donner plus de visibilité à l'ensemble des formations en management de l'Université de Créteil, que ce soit en marketing, en finance, en expertise comptable ou en management. Et donc l'idée, c'était sous le sceau d'une marque commune, en donnant plus de visibilité, de montrer qu'on pouvait faire aussi bien que les écoles de commerce à l'université. Alors ce qui fait le succès de l'IAE, c'est la qualité de ses formations qui se traduit à la fois par une insertion professionnelle très rapide et puis des salaires relativement élevés à la sortie des masters qui sont comparables aux écoles qui sont dans le haut de tableau entre les 5e et 10e ou 12e places. Parmi les projets de l'IAE, on va ouvrir en 2018 un nouveau master en management de projets et de la qualité et puis très probablement en 2019 un master en management des systèmes d'information. Notre objectif, c'est de continuer à développer notre offre de formation pour répondre aux besoins du marché du travail. L'IAE, c'est une école de management qui forme chaque année des étudiants dans différents domaines au poste de cadre. Et elle regroupe environ plus de 1500 étudiants. Donc, je suis actuellement en licence 3 gestion des entreprises. Donc, auparavant, j'ai réalisé un DUT technique de commercialisation en Bretagne. Et donc, cette licence me permet d'acquérir toutes les notions en gestion. Qui donc forme à plusieurs domaines comme les RH, la finance, le marketing ou bien la logistique. Et donc cette IAE permet d'acquérir ces connaissances et en plus d'accéder à des stages et aussi des semestres à l'étranger, donc pour pouvoir compléter ma formation et évoluer au sein des différents domaines. Pour moi, l'IAE, il y a un corps enseignant déjà qui est très présent et formé de professionnels. Donc, ce qui permet de nous faire évoluer dans différents domaines. De plus, il y a une place à l'international qui est très présente et qui grandit d'année en année. Donc, on a la possibilité de partir sur différents semestres. On a aussi un BDE qui est présent et qui permet donc de relier un peu les étudiants les uns aux autres, etc. Bah, premièrement, déjà la renommée de l'établissement, puisque l'IAE c'est un établissement qui est assez reconnu et donc qui peut permettre d'accéder à différentes entreprises. De plus, par le biais des expériences acquises à l'international ou bien en stage, ça peut me permettre aussi d'accéder plus rapidement à des entreprises et à des postes intéressants. Alors, le rôle du BDE, c'est d'être moteur de la vie étudiante. Le but, c'est de rassembler les étudiants autour d'une même identité. Nous, on a des étudiants qui ont un rythme très soutenu, que ce soit les étudiants initiales ou les alternants. Donc, le but, c'est aussi de créer des moments de détente, des moments festifs et aussi des moments où on peut rassembler tous les étudiants dans un même lieu. La finalité, c'est de créer vraiment un réseau étudiant à l'IAE Créteil. Alors à l'IAE, déjà on met en place des événements, des soirées à thématique, que ce soit pour Halloween, pour Noël, là on a bientôt le gala en fin d'année. Ce qu'on met en place aussi, c'est des événements réguliers, donc des after-work, pour rassembler les étudiants toutes les semaines, toutes les deux semaines. Le BDE, c'est pas que des soirées, c'est aussi être la passerelle entre l'administration et les étudiants, pour faire remonter les informations, etc. Mais aussi, le BDE, c'est celui qui rassemble toutes les actions des associations, à l'IAE, que ce soit du Enactus, le BDS, le BDA, etc. Première raison, c'est qu'on a la chance de pouvoir offrir des formations qui sont sélectives et donc de recruter des étudiants qui sont motivés, qui sont intéressés par les métiers de la gestion et également de ne pas être soumis à des frais de scolarité très importants. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une diversité de profils, donc de recruter des étudiants effectivement qui viennent de backgrounds différents, avec des profils différents et des appétences aussi différentes. Donc je pense que ça c'est aussi une spécificité qui nous permet d'avoir de très bons éléments à l'IAE.
Donc on est très attaché bien sûr à la fois à l'excellence académique et au dossier de nos étudiants, mais aussi à leurs projets, notamment en master. Et donc on les recrute sur base de ces éléments-là. Le deuxième élément, je pense, c'est qu'on est extrêmement attaché à l'IAE à conjuguer deux choses. La première chose, c'est bien sûr la professionnalisation, puisque vous, en tant qu'étudiant et ceux qui nous rejoignent, bon, votre objectif, évidemment, c'est de vous insérer au mieux ensuite sur le marché du travail. Mais c'est aussi de continuer à faire réfléchir nos étudiants et jusqu'en master, c'est-à-dire de conjuguer à la fois des enseignements professionnels et aussi le développement de capacités analytiques, le développement d'une réflexion personnelle. Alors, il y a plusieurs choses qui me plaisent. Donc déjà, j'ai rejoint l'IAE il y a 2 ans. Donc c'est ma 3e année d'enseignement ici. C'était vraiment un choix d'enseigner dans un IAE parce que je trouve qu'on conjugue à la fois l'organisation d'une école avec des petits groupes d'étudiants. Donc on a la capacité à avoir vraiment des interactions assez fortes avec nos étudiants. Et en même temps, des valeurs, je pense qu'ils sont les valeurs de l'université auxquelles mes collègues et moi-même, on est tous assez attachés. C'est-à-dire effectivement un recrutement sur des critères qui sont des critères qui ne sont pas financiers, hein, qui sont vraiment des critères de projet, de qualité de dossier, de motivation de nos étudiants. Alors la deuxième chose, c'est que moi j'ai la chance d'enseigner à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on a des licences 1 et on va jusqu'au master 2. Et comme on a des groupes d'étudiants qui sont relativement petits, hein, puisque un groupe moyen c'est entre 20, 25, 30 étudiants, on a la possibilité de connaître nos étudiants et de les suivre au cours de leur parcours. Et ça, c'est vraiment très agréable quand on a connu des étudiants, par exemple en licence 1, de les voir arriver en master et puis de voir toute l'évolution de leur parcours, voilà, de les voir grandir et puis d'essayer de les aider aussi à s'orienter. Troisième élément qui est important, c'est qu'il y a une équipe pédagogique ici qui est extrêmement soudée, avec des profils là encore assez différents, des enseignants-chercheurs qui sont passionnés par la recherche et qui essaient justement de transférer des cas théoriques dans leurs enseignements, mais aussi des professionnels qui irriguent avec toutes les pratiques en entreprise.